Je
Dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous rendons toute la gloire, l'honneur, la majesté, l'élévation, la magnificence, l'adoration, la gloire, le remerciement, la proclamation. Nous donnons tout à celui qui le mérite. Il s'appelle Jésus-Christ. Acclamé pour ce nom. Alléluia. Amen. Nous ne sommes que chair. Et toute la gloire de la chair est périssable. La gloire qui ne périt pas, c'est celle de Jésus-Christ. On lui a ouvert toute la gloire. On lui a ouvert toute l'acclamation. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, ma joie est grande ce matin. Ma joie est vraiment immense ce matin.
Parce que donc jusqu'à 2h hier, on ne sait pas, on ne savait pas que on pourrait venir ici ce matin. Et 2h on... Mais le Seigneur vraiment mis à cœur de venir voir sa bergerie ici à Comin, ici à Zomer. Par Jésus. Amen. Voilà. Par Jésus. J'ai plein de noms en tête. Oui, quand tu vois le talent. Alléluia. Amen. Ça montre que Comin sera là. Voilà. Jésus. Jésus. Alléluia. Donc, le Seigneur a vraiment voulu. Et à toi dit. Et je suis content de venir vous voir. Jésus-Christ a dit, là où deux, trois sont réunis à mon nom, je suis là. Donc Jésus-Christ est ici. Amen. Son trône est ici. Et Jésus-Christ est là. Et nous sommes très contents pour votre amour, pour votre zèle, et votre détermination. Malgré les difficultés, vous persévérez encore. Donc, Seigneur veut que nous venions vous encourager, que nous venions vous fortifier, que nous venions vous porter coup de main. Alléluia. Et c'est ce qui nous a amené ce matin. Alléluia. Peu de Dieu, fortifiez-vous encore dans le Seigneur. Quel que soit tout ce que les hommes diront contre vous, les hommes peuvent traiter de vous. Les gens peuvent dire, vous n'avez rien à faire. Regardez votre effectif, vous n'êtes pas honte. Or, quand le ciel vous voit, le ciel voit une grande foule. Le ciel voit, c'est qu'une foule qui dépasse le marché de ton pas. Ah, gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le ciel voit une grande foule. Mais tu peux pas, tu comprends quand les hommes peuvent voir. Mais quand le ciel vous regarde, il voit un peuple nombreux. Et je vous dis, si on ouvre vos yeux, pour vous montrer comment vous êtes si nombreux. Amen. Comment les milliards d'anges sont remplis en ce lieu. Amen. Pourquoi? Parce que là où on invoque le nom du roi, le roi est là. Et là où le roi est, toute son armée est là. Dans la talking kita, à voir du coup talking qui belle son armée, à voir du coup talking qui est fait au nom. Et non seulement son armée, il dit comment et sa troupe est là. Amen. Sa troupe est là. Et tu crois il tombe les noms, ceux qui sont chargés de chanter, de louer. Mais tu es au tamo ou à les radios à quatre fois. Ceux qui sont chargés de monter la garde. Mais tu es au sort, au rêve, et tu as un nom. Ceux qui sont chargés d'opérer le miracle, de guérir le mal. Mais tu es au sort, au rêve, et tu es au sort, mais tu es ton nom. C'est comme un président de la République qui se déplace. Et il a roi du corps, et il se déplace avec ses ministres. Il y a Sokoro,
Avec des policiers. Et avec tous les corps de l'armée. Oh Jésus Christ. Il est le roi des rois. Et il est le président des présidents. Oh, alléluia. C'est toute la terre. Et qui c'est tout le ciel qui se mobilise. Parce que la Bible dit, lorsqu'on invoque son nom quelque part, tous les genoux fléchissent au ciel. Tous les genoux fléchissent sur la terre. Tous les genoux fléchissent dans le sous-sol. Toute l'âme confesse sa divinité. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, tout à l'heure, voyez-vous, vous comme nombreux. Encore dans le Seigneur. Le Seigneur. Va agir dans votre vie. Alléluia. Donc ce matin, le Seigneur veut que nous soyons avec vous. Alléluia. Donc je vous dis shalom. Par le Seigneur. Shalom. Soyez bénis. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. De venir vous voir. Il va parmi. Alléluia. Amen. Donc,
C'est une surprise que le Seigneur nous a fait aussi en voulant que nous puissions venir. Et donc nous vous apportons aussi cette surprise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La gloire de l'Éternel est ici. S'assemble la croix de l'Éternel est ici. Elle est parmi nous. Elle est ici. Elle est ici. Elle est là. La croix de l'Éternel est ici. S'assemble la gloire de l'Éternel est ici. Elle est ici. Elle est ici. La gloire de l'Éternel est ici. Alléluia. Oh, elle est parmi nous.
Jésus. Oh, elle est parmi nous. Elle est ici. Elle est ici. Il y a ce lieu. La gloire de l'éternel est ici. Alléluia. La gloire de l'éternel est ici. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Alléluia. Touchez-nous, fléchira. Toute la confessera que il est Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Alléluia. Toujours nous fléchira. Toute la confessera. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vivant. Alléluia, touchez-nous, fléchira, toute la confessera que Jésus est Seigneur, il est Seigneur, Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, alléluia, touchez-vous, fléchira, toute la confessera. Que Jésus est Seigneur. Quand j'ai prié, quand j'ai prié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu. Elishama, 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 Elishama,
Yeah.
cessé de vivre. Don't be
petrochi, ya tu a peni, awa chiko chiku, chiko chuko, komi papi chiku, yeba kubenye kipole, niye nima to petrochi, be onu, to petrochi, ata peni, to petrochi, ati tu peni, peto a peno, ma upa telo, peto a peno, ma uvilo, peto a peno, Israel ma uro, peto a peno, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes
tes iniquités. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Qui guérit toutes tes maladies. Qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Qui te fait rajeunir comme de l'aigle. L'Éternel fait justice. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse. Il a manifesté ses voies à Moïse. Ses œuvres aux enfants d'Israël. Ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux. L'Éternel est miséricordieux. Et compatissant. Et compatissant. Lent à la colère. Lent à la colère. Et riche en bonté. Et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Autant les cieux sont élevés. Autant les cieux sont élevés. Au-dessus de la terre. Au-dessus de la terre. Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Autant il éloigne de nous nos transgressions. Autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants. Comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque vent passe sur elle, lorsque vent passe sur elle, elle n'est plus. Elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais. Pour ceux qui le craignent. Pour ceux qui le craignent. Sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance. Pour ceux qui gardent son alliance. Ils se souviennent de ses commandements. Ils se souviennent de ses commandements. Afin de les accomplir. Afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. Et son règne domine sur toutes choses. Et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel. Vous ses anges. Vous ses anges. Qui est puissant en force. Qui est puissant en force. Qui exécute ses ordres. Qui exécute ses ordres. En obéissant à la voix de sa parole. En obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel. Ses armées, toutes ses armées, qui est ses serviteurs, qui est ses serviteurs, qui fait sa volonté, qui fait sa volonté. Bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel, toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, vraiment, nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Nous avons déjà assez remercié le Seigneur. Nous avons aussi loué le Seigneur. Donc, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons recevoir une exhortation qui va nourrir notre foi. Donc, acclame le Seigneur. Tu vas t'asseoir. Nous allons écouter. Exhortation. Gloire à Jésus. Alléluia. Qui est content aujourd'hui? Qui est content aujourd'hui? Si tu es content, manifeste ta joie. 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 Alléluia. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Après toi, il soulève l'ami.
Nous bénissons le nom de Jésus pour votre vie. Nous bénissons réellement le nom de Jésus pour votre vie. Parce que vraiment le Seigneur fait de grandes choses à votre vie. Et comme l'évangéliste le disait, devant les hommes, vous êtes un petit troupeau. Mais c'est ce petit troupeau qui doit se réjouir. De recevoir le bon berger. De recevoir la grâce d'être conquis parmi le troupeau véritable de Jésus. Et si tu fais partie de ce troupeau, je t'annonce que effectivement le Seigneur parmi ceux qui sont destinés pour le ciel. Mais nous voyons les images. Aucune adoration. Quand même que tous les serviteurs ne sont pas venus pour établir officiellement l'église. Mais nous voyons la détermination. Nous voyons votre détermination. Et le Seigneur voit votre détermination. Comme Jésus dit dans sa parole, que je viendrai comme un voleur. Je viendrai comme un voleur. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. N'est pas averti que nous allons venir. Comme l'évangéliste l'a dit, à 2 heures comme ça, le Seigneur nous a mis à l'heure de venir à son père pour saluer l'église, la service à son père. Parce qu'il a quelque chose à faire. C'est pourquoi il s'est souvenu de vous. Et cela doit vous montrer que les serviteurs de Dieu aussi se souviennent du travail que vous faites sur le terrain. Regardez comment le nom de Jésus revient actuellement dans le monde qui fait grâce. Cameroun, voilà, Yaoundé, Bafoussam, Togo, Côte d'Ivoire, partout en France, toutes les églises sont réunies actuellement. Mais c'est à Zové que Dieu a trouvé. C'est à Zové que Jésus a trouvé. Acclame Jésus! Alléluia! Alléluia! C'est une grâce que vous avez reçue. Que le nom de Jésus soit glorifié. Les adorations que le Seigneur nous a mis à cœur aujourd'hui est les vertus, à tout titre, les vertus d'un vrai enfant de Dieu. Les vertus d'un vrai enfant de Dieu. Les vertus d'un vrai enfant de Dieu. C'est-à-dire la vertu d'une vie chrétienne. Et non, quelles sont les vertus que nous devons avoir, manifester, témoigner que nous sommes de vrais enfants de Dieu. Effectivement, vous rassemblez, vous priez, vous jeûnez, vous allez évangéliser. Vous méditez la parole. Mais il faut que vous puissiez comprendre ces vertus. Apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 13, nous pouvons avoir le don de science, le mystère, la foi, le don de prophétie, jusqu'à déplacer les montagnes. Mais si nous n'avons pas l'amour, cela ne nous sert de rien. Si nous n'avons pas l'amour véritable, qui a déjà prêché la sainte doctrine à ses parents ici? À part le frère, qui encore? Qui a déjà parlé de la sainte doctrine à ses parents? Levez les mains, je veux voir. Soyez honnêtes simplement. Mais que ceux qui ont déjà fait, lèvent les mains. Acclame le Seigneur pour ta vie. Toute l'église, toute la cellule a déjà parlé une fois. La sainte doctrine à ses parents. C'est important. Et c'est l'amour qui vous pousse à le faire. Ce n'est pas un enseignement que nous voulons donner, mais c'est une exhortation. Mais cette exhortation est aussi un enseignement pour vous. Et
La Bible dit, quand nous lisons Jean 1, verset 11 à 12, oui, un lecteur peut nous aider, le bien-aimé peut nous aider. Gloire à Jésus, acclame le Seigneur pour sa vie. Jean 1, le verset 11 à 12. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Jean 1, verset 11 à 12. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous sommes en train de voir qu'ici que la parole qui est la lumière de Dieu pour le monde est venu chez les siens. Qui sont les siens dont on parle ici? C'est d'abord Israël. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Les siens l'ont rejeté. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient au nom de la parole. Et quel est le nom de la parole? C'est quel nom? Jésus. Elle leur a donné, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, la parole est venue dans ta famille. La parole est venue dans l'église où tu étais. La sainte doctrine a été annoncée à ta famille. La sainte doctrine est venue dans l'église où tu étais. Mais, ou bien dans le monde, la sainte doctrine a été prêchée à ton entourage. Mais ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas reçu. C'est pourquoi le Seigneur dit les siens. Parce que c'est ceux que tu as prédestinés. Mais ils ont rejeté, ils ont renié la parole. Ils ont refusé d'accepter la parole. Mais la Bible dit que ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu la parole, ceux qui croient au nom de Jésus, la parole leur a donné le pouvoir. À ce moment-là où tu as un pouvoir. Le pouvoir que tu as, c'est que tu es devenu enfant de Dieu. Tous ceux qui sont dans le monde ne sont pas enfants de Dieu. Ne pensez pas qu'ils sont tous enfants de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu. Non. Si tout le monde est enfant de Dieu, là, Dieu n'allait pas envoyer son fils unique. Non, mais Jésus n'allait pas venir. Tous ceux qui sont dans le monde sont des créatures de Dieu. Mais mais c'est ceux qui croient au nom de Jésus. Mais tu es cacalo, ceux qui croient en Jésus. Mais tu croient à la parole. Mais tu cacalo, eux qui deviennent enfants de Dieu. Parce qu'ils ont reçu un pouvoir qui dépasse celui des autres. Voilà ce que la Bible dit. Donc, toi qui as cru, tu es un enfant de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons pratiquer comme caractère Il ne suffit pas seulement de dire que je crois la parole de Dieu pour être enfant de Dieu. Est-ce que nous montrons que nous sommes vraiment enfants de Dieu? Nos caractères, pas nos comportements, pas notre manière de vivre. Est-ce que nous montrons? Quand nous lisons 2 Pierre, la Bible explique tous les attributs d'un vrai enfant de Dieu. Alléluia. Oui, un lecteur. Le lecteur. 2 Pierre 1, le verset, du verset 3 au verset 11. Vous allez noter chaque point.
2 Pierre, chapitre 1er, du verset, à partir du verset 3 au verset 11. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3 au verset 12. 11. Au verset 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Quelle est sa divine puissance? Je commente en même temps. Quelle est sa divine puissance? De qui parle-t-on? On parle de qui? De Dieu, non? Et on dit que comme sa divine puissance nous a donné. De quoi on parle ici? Parce qu'on a déjà lu Jean 1. Et on vient de dire que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. Quelle est sa divine puissance? C'est clair. Oui, qu'est-ce que je ne vais pas vous aider. Dans Jean 1, verset 12, nous avons vu quelque chose. Ce qui fait des enfants, quelque chose qui fait d'enfants de nous, enfants de Dieu. Et on dit que sa divine puissance nous a donné. Alors, qu'est-ce qui est la divine puissance de Dieu? Pas le lecteur. Oui, le frère. Non. Le pouvoir, c'est ce qu'on nous a donné. Tu vois, le pouvoir, c'est ce qu'on nous a donné. Mais par quel moyen cela nous a été donné? J'ai dit ça maintenant. Oui. Amen. C'est la parole de la acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et si on dit, comme sa divine puissance nous a donné, c'est les mêmes. Pour manifester quelles vertus pour lesquelles il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que ce qui nous différencie des païens, c'est les vertus. Parce que les païens sont aussi des créatures de Dieu. Que Dieu a créé à son image. Qu'est-ce qui nous montre que nous sommes vraiment enfants de Dieu? Qu'est-ce qui nous montre qu'on a reçu vraiment le pouvoir de devenir enfant de Dieu? C'est les vertus. Et le Seigneur veut que tous les frères de Azovet, tous les sœurs de Azovet puissent manifester ces vertus. Et après toi, dis-moi, nos vies, nos notes, on les plus prions. Effectivement, vous avez le sel, c'est bon. Acclamez le Seigneur pour votre sel. Vous avez le feu. C'est bien bon. Le Seigneur veut voir les vertus se manifester. Et là, lorsque vous irez sur le terrain d'évaluation, vous n'avez plus besoin même pas de parler beaucoup, parler longtemps. Quand ils voient votre manière de vivre, en même temps, ils sont touchés. Et c'est eux-mêmes qui vont croire au Seigneur Jésus. Oui, contribuer à la vie. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Donnez, commencez pas, reprenez. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. À la piété. Et la vie et à la piété. C'est quoi la piété? La piété. Une vie de sainteté. Oui, c'est une vie de sainteté, c'est ça. C'est une explication très approfondie. Et je veux la définition étymologique, c'est-à-dire de littéral, quoi. Ce que ça signifie. Piété, c'est quoi? Quand on dit piété, je vous aide. Oui. Une vie sans péché, une vie nouvelle. Oui, c'est ça. Piété, c'est.
une crainte particulière qu'on a envers une divinité. Et mais surtout avec le Seigneur. Nous pousse à l'aimer, nous pousse à l'adorer, nous pousse à l'honorer, nous pousse à obéir, nous pousse à vivre cette sainteté, nous pousse avec toutes choses. Et cette piété, c'est une crainte, comme je l'ai dit, qui nous pousse à adorer Dieu, à aimer Dieu, à observer ses préceptes, ses ordonnances, ses commandements. Et la Bible dit quelque part que les faux et apôtres ont une apparence, les faux docteurs et les faux serviteurs, ou bien les abominables hommes qui viendront dans la fin des temps, ils auront une apparence de piété. C'est-à-dire, d'ailleurs, purement, physiquement, les gens penseront qu'ils sont pieux, qu'ils craignent Dieu, qu'ils sont des âmes exemplaires. Mais à l'intérieur, ils seront autre chose. Ils réunissent Christ, ils remettent. Nous avons que être pieux, c'est de s'attacher à Christ. Et aussi, dans notre appuiement, nous devons être pieux. Il faut que dans notre appuiement, l'on soit Christ. L'on soit que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Et aussi, dans notre caractère, nous devons montrer que nous sommes des vrais enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que le Seigneur parle en nous disant la piété. Il faut que la piété soit dans tous les domaines. Intérieur, physiquement, dans toute la vie chrétienne. Oui. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. La connaissance de celui qui nous a appelés, c'est la parole de Dieu qui nous donne la connaissance. Voilà. Lesquels nous assurent de sa part les grandes choses et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. À votre foi, la foi qui vous a poussé à croire en Dieu, pour devenir enfant de Dieu, pour avoir le pouvoir. Ajoutez, pour être enfant de Dieu, pour être différent. Pour être différent des païens, pour être de vrais enfants de Dieu, ajoutez à cette foi la vertu. Quand on dit vertu, c'est une bonne attitude, un bon comportement qui devient une habitude. Ça devient un caractère qu'on développe. Nous honore, c'est-à-dire qui nous différencie, qui nous donne la valeur devant les autres. Une vertu, c'est quelque chose de particulier que l'on a, de différent des autres, et qui impacte les autres dans notre entourage, et qui montre réellement que nous sommes enfants de Dieu. Gloire à Jésus. Nous devons ajouter à la foi, la vertu. À la vertu, nous ajouter la science. Quand on dit la science, c'est la connaissance de Dieu, la connaissance de la divinité de Jésus, des choses pour de la science de Dieu. Et la science, c'est quoi? C'est la parole de Jésus. C'est-à-dire comprendre les mystères de la parole et les pratiquer. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la science. La science, c'est-à-dire la science et la piété font de pair. Il faut d'abord connaître Dieu avant de le craindre, de l'aimer. En l'aimant, nous sommes en train de vivre dans la science de Dieu. Et cette science n'est pas selon le monde. Mais cette science, c'est la connaissance du véritable Dieu et l'obéissance envers sa parole. À la science, nous devons ajouter la tempérance.
et maudit. Voilà, c'est comme c'est modéré. Ça dit, nous devons être modérés dans nos actions. Nous devons pas être dépravés. Nous devons pas être sarcastiques. Ça dit, nous devons pas être débordés, arrogants. Exagérer dans nos manières de faire. Vous allez voir que je ne sais pas, c'est sur les boissons, on écrit ça ou bien sur quoi. Vous allez me dire, amen, à consommer avec en modération. C'est quoi? C'est les boissons? Les boissons. Voilà. On écrit à consommer avec en modération. Si les païens disent cela, nous qui sommes chrétiens devons être nous devons être modérés dans nos actions, c'est-à-dire nous devons, la Bible dit que d'aspirer aux dons les plus meilleurs, mais cela ne veut pas dire non, d'aspirer, de chercher, de vouloir les dons les plus meilleurs. Mais cela ne doit pas nous amener à l'exagération. Nous devons être tempérants. Ça va avec la patience aussi. Mais la tempérance, toute action que nous devons poser, même si nous sommes patients là, nous devons ajouter à la patience la tempérance. Par exemple, quand on dit tempérance, je vais vous expliquer. Dans ces jours, nous devons peut-être organiser un jeûne de prière, organiser une évangélisation. Et quelques frères disent, passez-vous avant de faire le jeûne là, avant d'aller à l'évangélisation, allez dans un moment de jeûne. Passez-vous, ne vous agitez pas. Soyez tout en fait. Allez avec. Apaisement, soyez apaisé, ne soyez pas agité. Ça, c'est la patience. Et la patience nous permet de réfléchir et de prendre de bonnes décisions. Ce qu'on fait dans le manque de patience ne produit jamais de bons fruits. Vous voyez, maintenant, voilà que nous avons agi avec patience. Mais la tempérance maintenant, c'est de mieux faire ce qu'on a. C'est-à-dire, on est déjà de la patience. Mais nous devons mieux faire, c'est-à-dire le faire pour qu'il y ait de bons résultats. Maintenant qu'on a jeûné, on a tout fait pour que le programme arrive là. Il faut qu'on le fasse bien. Pas avec une précipitation. Je me suis patienté. On a patienté pour un programme qu'on devait faire. Et on a travaillé. Voilà que le jour du programme est arrivé. Pourquoi on va se précipiter encore et faire les choses avec agitation? Vous comprenez? Donc il faut qu'on le fasse avec qu'on se temporise et le faire avec modération pour qu'il y ait un bon résultat. Pour la patience, la Bible dit que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Quand tu sens la colère en même temps, tu ne dois pas en même temps agir. Ni toi, patience. Tu dois patienter. Et c'est quand tu patientes, quand tu agis avec tempérance. Vous comprenez? La patience et la tempérance sont liées. C'est dans la patience qu'on agit avec tempérance. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc le Seigneur veut que vous puissiez agir avec tempérance. Ce n'est pas que le zèle va diminuer. Vous continuez avec le même zèle, mais dans vos relations avec les païens là, vous soyez exemplaires. Quand vous êtes une nouvelle cellule, il faut que
vous impactez votre génération. Voilà. Maintenant, on dit à la tempérance, la patience. Je veux dire, les deux sont ensemble. Les deux sont liés. À la patience, la piété. Même si nous sommes dans la patience, nous devons craindre Dieu dans la patience. Nous devons aimer Dieu. Maintenant, l'amour fraternel. Quand tu dis l'amour fraternel, c'est pas seulement l'amour envers Dieu. Parce que on ne peut pas avoir l'amour fraternel sans d'abord aimer Dieu. Tout commence par l'amour de Dieu. Mais la Bible dit que si nous disons que nous aimons Dieu et nos frères, nous ne les aimons pas. Nous sommes des hypocrites. Est-ce que vous comprenez? L'amour doit être mutuel. Et quand on dit l'amour fraternel là, c'est l'amour et les œuvres. Shalom, 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 je t'aime, non. L'amour fraternel doit être accompagné de bonnes œuvres. Imaginez, on finit le culte. Et chacun rentre à la maison. Et c'est le dimanche prochain qu'on se voit. Est-ce qu'il y a l'amour fraternel? Répondez-moi, est-ce qu'il y a l'amour fraternel? Au moins dans une semaine, on doit se voir. Le fait qu'on se voit renforce les liens. Les liens de communion, les liens de fraternité. Et chacun s'exerce à aider les autres à pouvoir aux besoins des autres. Si tu ne te plains pas de la situation de ton frère. Voilà que toi tu es bien élégant, tu es bien habillé, tu es assez riche. Voilà, il manque le peu qui va utiliser pour subvenir à ses besoins. Le Seigneur exhorte la cellule de Azové à la communion fraternelle, à l'amour fraternel. Alléluia. Que la colère disparaisse comme le devon. Que la duplicité disparaisse. Que l'orgueil disparaisse. Et qui est l'amour fraternel. Alléluia. L'amour fraternel, quand on dit l'amour fraternel, c'est les bonnes œuvres. Le soutien mutuel. On peut faire des aumônes. On peut organiser des agapés. On communie ensemble. Vous faites ça souvent. Alléluia. C'est important que vous puissiez le faire de temps en temps. Vous, en tant que cellule, vous rassemblez, vous allez visiter la maison d'un frère. Vous le faites, non? Visiter la maison d'une sœur. Ça renforce les liens fraternels. Si vous ne le faites pas là, vous allez voir que les gens vont commencer à devenir froid. Donc, le Seigneur veut voir ça. L'amour fraternel. La fraternité. On doit se défendre mutuellement. Je continue. On doit se défendre mutuellement. Parce que nous sommes membres d'une même famille. Les combats de Clément sont les combats de Daniel. C'est la fin de Daniel. Les combats de Clément sont les combats de Daniel. Il y a la foi, je parle de la foi. Les combats de Daniel sont les combats de Wilfried. Les combats de la sœur Déborah sont les même les combats de la sœur Esther. C'est le même combat. Et le même combat, c'est quel combat? Le combat de la foi. Pour la vie. Donc si quelqu'un a difficulté là, même s'il n'a rien à donner, il faut intercéder. On dit intercéder, c'est aussi soutenir. C'est pas forcément prier, soutenir, mais aussi c'est aussi prier seulement pour les autres. On doit soutenir l'autre qui a difficulté. Mais si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas.
Il faut l'intercession mutuelle. Dans la prière, dans le soutien, dans tous les domaines. Il faut l'amour. L'amour, le vrai amour. Parce que les églises de la voie, là où on était, ce n'est pas la fraternité qui manquait. Vous le savez. Mais c'est la sainte doctrine qui n'était pas dedans. Maintenant qu'on les a quittés pour venir dans la vérité, et le Seigneur est en train de former son peuple, et nous sommes en train de former une église ou même pas le Seigneur, on va voir ce qui ne se passe même pas dans la voie là ici. Alors c'est possible. Mais la forme du Seigneur est en face là. Le Seigneur veut nous voir différents. Le Seigneur veut nous voir un peuple vertueux. Une nation sainte. Tu continues à ça le réveil qui comprend la sainteté. Faut-il prêcher cela? Alléluia. Amen. Parce que si tu es dépouillé du corps physiquement, mais que tu n'as pas les vertus de la vie chrétienne, les premiers rudiments, ce n'est pas bon. Dis-nous. Alléluia. Amen. Car si ces choses sont en vous, le verset 8 dit. La Bible dit quoi? Si ces choses sont en vous là, non, tous les mêmes. Et ils sont avec abondance, ils ont l'idée. Elles ne vous laisseront point oisifs. Ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Si tu as la patience, mais donc, tu connais. Si tu as la science, et donc, la connaissance, la piété, la justice. Tu connais Dieu. Et c'est ça la connaissance de Jésus. Alors tu vois. Sinon, quand on dit Jésus là, les païens aussi attendent parler du nom de Jésus. Mais qu'est-ce que tu prouves que toi tu connais Jésus? C'est quand tu pratiques ces choses. Et cela. Nous ne serons pas vides de connaissance de Jésus parce que nous sommes en train de connaître Jésus. Et vous devez savoir que vous n'êtes pas encore arrivé au sommet. Nous sommes en train de courir pour atteindre le ciel. Mais le ciel veut que nous courons encore davantage. Nous courons encore davantage. Paul a dit, je n'ai pas encore achevé la course. Malgré les révélations qu'il a eues du ciel. Malgré les connaissances profondes qu'il a écrites. Malgré ça, ce qu'il fait, ça c'est même. Il a dit, je ne suis pas encore entré, je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je cours afin de saisir. Est-ce que toi tu cours? Est-ce que tu cours? Nous devons courir. Et dans la course, lorsqu'il y a une chute, un accident, nous devons nous relever en même temps. Ne laissons pas la chute dominer notre vie. Même celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Voilà. Celui qui n'a pas ces choses, il est aveugle. Il voit physiquement, mais spirituellement, il est mort. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Alléluia. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur vous sera pleinement accompli. Acclame le Seigneur Jésus. C'est en faisant ces choses que tu iras au ciel. Lisons le Galates 5, le verset 22. Galates 5, 22, oui. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit,
c'est l'amour. C'est l'amour. La joie. La joie. La paix. La paix. La patience. La patience. La bonté. La bonté. La bénignité. La bénignité. La fidélité. La fidélité. La douceur. C'est-à-dire, même si tu es dans l'amertume là, il ne faut pas montrer que tu vis des situations. Comment la soeur qui est derrière, la soeur Stella, comment vous appelle? Comment vous appelle? Rose. Rose. Levez-vous. Je vois que vous êtes triste. Souriez en Jésus. Souriez en Jésus. Il faut qu'on voit le fruit de l'esprit en toi. Pourquoi vous venez de la maison de Dieu? Vous êtes dans le visage miné. Il faut qu'il y ait le fruit de l'esprit. La joie. Quelles que soient toutes les situations que tu vis là, Jésus est venu te libérer. Aucune situation ne te dépasse. Parce que Jésus, il est la vie, il est la lumière, il est la joie. Donc, le Seigneur t'accorde la paix. Tu reçois la paix. Tu reçois la joie. Tu reçois la vie. Au nom de Jésus. Amen. Voilà comment on fait les choses. C'est un exemple. Quand tu vois une soeur dans l'église qui est triste, aborde-la. Tu les ôtes à la joie. Tu les ôtes à la vie, à la justice. Tu les ôtes à être dans son premier amour. Mais sans critiquer, nous voulons voir la joie parfaite. Même si tu as des problèmes là, et le diable te voit en joie là, il est vaincu, il ne peut rien. Lui-même, c'est qu'il est. Il est perturbé. Parce que quand il te combat là, lui veut que tu pleures. Il veut que tu abandonnes les armes, que tu abandonnes la foi. Mais quand il te combat là, c'est en même temps que toi tu deviens joyeux. C'est en même temps que toi tu deviens plus joli. C'est en même temps que tu deviens encore plus ravissant. Donc aucun problème de ce siècle ne te pousse à devenir esclave de l'amertume. L'amertume n'est pas le fruit de l'esprit. Là, je vais aussi appliquer sur la fidélité. Le Seigneur exhorte la cellule de Azophé à demeurer fidèle. Est-ce que c'est tout le nombre qui vient? Non, c'est pas tout le monde. Pourquoi ils ne sont pas venus aujourd'hui? Et là, en tout cas, il y a certaines soeurs que je ne vois pas. Certainement, ils sont partis à Cotonou. Oui, il y a certains qui sont affectés. Mais il est important que nous puissions être fidèles. Actuellement, l'église, Jésus revient, traverse des moments difficiles. Des moments où le diable se lève et crie des scandales, des abominations. Et c'est à ce moment que notre fidélité doit être encore renforcée. Non, il ne l'a pas béti. Parce que la Bible dit que dans l'Apocalypse, que l'Église sera tentée. Mais c'est pas la fidélité que l'Église demeurera. Nous devons être fidèles. Nous devons être toujours fidèles. Et je bénis le Seigneur pour les anciens qui ont commencé depuis le début de la cellule à Zovette et qui persévèrent jusqu'à maintenant. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Demeurez toujours fidèle. Parce que le diable va faire quelque chose. Le diable sait que bientôt va venir pour établir, pour faire le réveil ici. Il va créer des scandales, il va créer des divisions pour disperser le tout. Là, on ne viendra plus. Parce que qui vient, qui on viendra voir?
Vous voyez, donc ne permettez pas que l'ennemi pénètre parmi vous. Il peut amener des divisions. Une situation simple. L'ennemi se va dire, pourquoi je suis ici, on ne me visite pas. Des choses inutiles, des choses banales. Des choses banales ou bien celui-ci m'a dit ça. Ça m'a fait mal, je suis en colère. Celui qui a la semence de colère, et tu nous, ton Messie. Le diable va utiliser quelqu'un qui a la semence de trahison, la semence de manque de patience, la semence de ruse, d'embêtement. Et les deux semences vont travailler ensemble. Il faut que ces semences du monde disparaissent. Il faut que nos caractères du vieil homme disparaissent. Il faut que chacun considère son frère au-dessus de lui. C'est ça la parole de Dieu. La fidélité. Alléluia. Donc la fidélité a un prix d'or. Demeurez fidèle. Et vous verrez la gloire de Dieu. Si vous êtes fidèle, c'est vous que le Seigneur va utiliser pour aller gagner les âmes. Non, dans si vous êtes fidèle, le Seigneur va faire de grandes choses avec vous. Toutes les cellules que nous avons parcourues, c'est pas la fidélité que le Seigneur nous a envoyé. Non, c'est des frères qui nous suivent. Ils ne nous connaissent jamais. Ils sont mobilisés dans les pays même. Ils ont tout organisé. Il est chaque fois venu. Il me paye. Nous, on a juste à exécuter l'ordre du Seigneur. Ce n'est pas nous qui avons commencé par tout mettre en place. Eux, ils ont tout fait avant nous. Ils font tout avant nous. Donc, la fidélité. Vous voyez, si vous demeurez fidèle, non, mais il est petit. Vous voyez, ici, tout ici soit rempli. Elle est pleine. Et même le nombre sera même dépassant jusqu'au point où vous serez même dédié pour avoir un grand espace. Parce que l'église, Jésus revient pour être ici à Zorvel. Pas seulement le nombre que nous voyons. Non, il doit y avoir une grande foule. Et l'église doit avoir une place. C'est notre priorité. C'est pourquoi il faut que vous travaillez davantage. Travaillez dans l'évangélisation. Travaillez dans la mobilisation. Sans se décourager. Même si ça fait un an, deux ans, cinq ans, continuez. C'est comme ça les autres ont fait d'autres. Même on annonce la date, Togo même. On annonce la date plusieurs fois. Plus de trois fois nous avons annoncé la date. Et tu sais les gars, mais ça ne marche jamais. Mais ils sont demeurés fidèles. Et le Seigneur a accompli cela. Ils sont aujourd'hui affermis. Et ça, c'est le passé. Donc, vous aussi, alliez-vous. Et aussi, je vais aussi vous exhorter. Portez le bouclier de la foi et le casque salut. Quand je dis bouclier de la foi et du salut, là. L'ennemi va envoyer des paroles de dénigrement sur l'église, sur les hommes de Dieu auprès de vous. Et vous allez commencer par avoir des soupçons. Lui, il est cupide. Il est fou. Il est jaloux. Ils sont faux. Ils nous ont trahis. La bergerie que toi tu es, dans laquelle tu es, qui te nourrit dans la vérité, dans la sainte doctrine là. Le diable va insulter des personnes étrangères qui viendront semer dans ta tête. Satan a jamais avec son à ses sur les réseaux sociaux. Facebook ou bien dans les rues toi-même, en tant que si tu es mal affaimi, tu avales ça. Maintenant si tu avales, tu iras où? On ne dit pas que nous sommes les seuls dans la vérité. Non, on n'a jamais dit que le groupe Jésus revient la seule dans la vérité. La vérité, c'est Jésus. Mais le message Jésus revient, c'est authentique. C'est le seul message que nous avons prêché. Donc toutes les églises doivent prêcher uniquement ce message en ce temps de la fête. Maintenant, si tu quittes la bergerie, qui te prépare pour le retour de Jésus, où iras-tu? Réponds-moi, où iras-tu? Dans le monde. C'est le monde? Est-ce que tu vas. Non, tu avais quitté l'assemblée de Dieu.
tu te mettras à l'assemblée de Dieu. Et tu vas encore répartir à Dieu parce que ici, tu t'es senti frustré. Les frères t'ont trahi ici. Tu entends des choses. Tu le réveilles, ils vont se moquer de toi. Même ils vont vouloir t'accueillir, mais ils ont le dégoût même. Parce que pour eux, c'est comme si tu reviens à tes vomissures. Ils vont se moquer. Donc, le Seigneur veut que vous soyez fidèles. N'écoutez pas tout ce qui se passe dans le monde. Un vrai enfant de Dieu n'attend pas la séduction de ce siècle. Ma vie a donné selon et plat. Les faux enseignements viendront vous égarer. Les confusions viendront vous égarer. Mais demeurez fidèle. Demeurez fidèle à Christ et non aux hommes. Mais à Christ, tant que nous n'avons pas trahi le Seigneur, demeurez fidèle à ce que nous vous disons. Tant que nous n'avons pas vomi la sainte doctrine, peut-être que nous avons amené vers l'étranger. Tant que nous n'avons pas scié avec l'ennemi, demeurez fidèles à Dieu. Demeurons fidèles. Et travaillons à notre salut avec Christ et tremblement. La fidélité est très importante. La fidélité est d'un prix très grand. Alléluia. Amen. Je vais toucher juste un dernier verset pour vous. Concernant les femmes. 1 Timothée 2, verset 15. Alléluia. Amen. 1 Timothée 2, verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Alléluia. Qu'est-ce que, quand vous lisez ce verset-là, vous comprenez quoi? Parce que beaucoup en lisant ce verset, quand on dit elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, tout ça. Beaucoup d'hérésies, beaucoup de faux enseignants disent, avant qu'une femme ne puisse aller au ciel là, elle doit être maman, elle doit avoir d'enfants, elle doit se marier et avoir d'enfants. Donc, c'est une doctrine répandue, hein? Et j'utilise ce verset de 1 Timothée 2:15 pour dire qu'avant d'aller au ciel, tu dois être marié et avoir d'enfants. C'est le mensonge. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Parce que la femme a été coupable de transgression et l'homme aussi coupable de transgression. Au commencement, elle était l'aide de l'homme, mais à cause de cela, elle a péché. À cause de la séduction du diable, elle a péché. Semble blessé à tort et est inouïe. Donc, en tant que femme, elle était, quand on dit mère, là, ne pensez pas qu'elle a forcément d'enfants. Non, moi, et non, mais moi, elle doit être une mère, c'est une aide pour un père. Et non, et mais donc, Adam est le père que tu as mis dans le jardin. Mais tu as fait ton père. Elle est la mère, c'est-à-dire l'aide. Et Adam est ni et Dati, mais. Et des bolons. Depuis que la femme était sous. Elle venue comme parle de transgression. Elle a perdu sa place de mère. Elle a perdu sa place de femme glorieuse, de femme vertueuse. Maintenant la Bible dit que elle sera néanmoins sauvée. Elle sera néanmoins sauvée pour le ciel. La femme, le ciel vous parle. Vous serez néanmoins sauvé. Mais avec pauvre quand même. C'est pas fou que le péché c'est du l'homme. Vous serez néanmoins sauvé par quel moyen? En devenant mère, c'est-à-dire en devenant une femme soumise, une femme qui connaît sa place, une femme qui reconnaît que elle est l'être de l'homme. Quand on dit devenant mère, là, c'est ça la Bible dit. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, en devenant comme Ève avant le péché. Vous comprenez? Ève avant le péché était une mère. Mais quand on dit mère, ne pensez pas forcément d'enfant. Non, et non, mais tu vois, vous
femme, mère, c'est les mêmes choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle sera néanmoins sauvée. Le Seigneur va sauver la femme. Si elle devient mère, elle devient mère, c'est-à-dire. Si elle devient mère, dans le sens où elle connaît sa place devant l'homme. Si elle ne montre pas l'autorité sur l'homme, si elle ne domine pas l'homme comme Jézabel, mais si elle se soumet comme ça, si elle appelle l'homme, si elle voit l'homme comme son seigneur, son maître, elle est la servante, l'aide. Si elle reconnaît cela, elle sera sauvée. Ce qui veut dire qu'en tant que femme, ta position, la seule grâce que tu as pour être sauvée, qui te permet d'être sauvée dans l'assemblée, c'est d'être soumise. C'est la soumission. La soumission. Tu seras sauvé en devenant mère. C'est en réalité en devenant une femme soumise. Comme ça. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que l'écriture fait allusion à Sarah. Que Sarah était la mère des nations de la même manière que. Et Abraham était le père des nations. Abraham, on s'en sortit les générations. Donc, l'Écriture dit, elle sera sauvée néanmoins en devenant mère, tout ça. C'est-à-dire, elle sera sauvée en devenant comme Sarah. Vous comprenez? En devenant comme une mère. Comme Sarah. C'est en ce moment qu'elle sera. Sinon, si elle a l'orgueil, elle a la rébellion. Là. Le Seigneur la voit en même temps comme Ève lorsqu'elle était séduite par le diable. Est-ce que vous me comprenez? Et qu'est-ce qui va se passer si elle persévère avec un modestie? Simplicité. Le Seigneur veut que vous soyez modeste. Avec dans la foi, dans la charité, c'est-à-dire l'amour, et dans la sainteté. Donc voilà les critères qui vont sauver, qui vont te sauver. Si tu la sainteté, l'amour, la foi, et l'amour. Et les hommes aussi sont concernés. Gloire à Jésus. Et la Bible dit dans le livre de 1 Timothée 3, le verset 11. Les femmes, 1 Timothée 3, 11. Les femmes de même doivent être honnêtes. Vous devez être honnête. Et vous devez être non médisante. Mais le Seigneur ne veut pas voir les soeurs de la cellule des enfants faire des médisances sur quelqu'un, sur un serviteur, sur un frère, des calomnies. Voilà comment il a dit aujourd'hui. Voilà comment il se comporte. Non, le Seigneur ne veut pas voir ça à nos enfants. Le Seigneur ne veut pas voir des médisances, des calomnies, des cabales, des critiques. S'il y a un défaut, bien s'il y a quelque chose sur un frère, allons prier, fléchissons genoux. Maintenant, nous pouvons aussi l'aborder avec douceur, mais pas calomnie derrière son frère. Ça, c'est le symbole de lâcheté, de calomnie les frères, les soeurs. Maintenant, en tant que vertu d'un vrai enfant de Dieu, le Seigneur exhorte la cellule de Azophère. Selon le livre de 1 Timothée 3, verset 15. Amen. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de Dieu.
vérité. Il faut savoir comment te conduire dans la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu t'appartient, c'est ta maison aussi. Ça n'appartient pas seulement aux frères. Non, mais à tous les saints. Nous devons travailler à la propriété. Nous travaillons à la. C'est-à-dire à. Comment on peut dire cela? À la propriété aussi. À l'entretien, voilà le mot que je dis. Et nous devons veiller sur les uns les autres. Que personne ne pêche. Alléluia. Et ceux qui pêchent, nous devons les reprendre avec douceur. Le Seigneur veut aussi que vous puissiez garder la foi avec une conscience pure. Parce que beaucoup ont abandonné la foi. Comme je l'ai dit, soyez fidèles. Sois fidèle jusqu'à la fin. Et je te donnerai la couronne de vie. Voilà ce que le Seigneur veut te dire ce matin. Veux que tu sois vertueux. Et qui dit encore jusqu'à la fin? Dans Hébreux 12, le verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande foule de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui est réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Maintenant, le Seigneur Jésus. Voilà ce que le Seigneur veut pour toi. Quand tu marches là, il y a plusieurs témoins qui t'entourent. Mais ce soir, quand tu penses que tu es seul, Dieu veut voir si ce que tu les prêches là, tu les pratiques cela. Mais comment on va voir comment tu as pas dit sans outiller. Les témoins peuvent aussi des démons. Les témoins peuvent aussi des hommes. Les anges aussi sont témoins. Le Saint-Esprit aussi est témoin. Dieu aussi est témoin. Tu es environné d'un grand nombre de témoins. Et tu vas rejeter le péché. Et persévérer dans la carrière. Quelle est la carrière qui vous est ouverte ici? La marche pour le ciel. Dans la scène d'autre. Il faut que vous soyez exemplaires. Et il dit encore dans le verset 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant les rejetons. Non, et amertume, je viens de parler de l'amertume. La tristesse approfondit, les blessures intérieures, les frustrations ne produisent du trouble. Et que plusieurs n'en soient infectés. Non, amen, c'est quoi? Donc, tout est écrit dans la Bible. Et plusieurs sont infectés là. Le Seigneur veut que vous soyez exemplaires. Que personne ne soit infecté. Non, mais et comme dernier verset, 1 Pierre 2, le verset 12. 1 Pierre 2, le verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne. Commence même pas le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font guerre à l'âme, ayant au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Voilà, nous sommes à la fin de l'exhortation du jour. Donc nous allons tenir debout et faire cette prière. Alléluia.
Acclame pour Jésus. Tu vas commencer par prier, remercier le Seigneur pour ce message, exhortation, cette prédication. Tu vas prier, tu vas demander, Seigneur, je te dis vraiment merci. Commence par prier. Commence par bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur. Rends-lui grâce. Ceux qui sont morts sont partis. Et ils peuvent écouter ce message pour se corriger. Mais toi tu es encore vivant. Le Seigneur t'a donné cette nourriture. Cette belle nourriture vitaminée. Oh, dis merci Seigneur. Bénis le Seigneur. Remercie-le pour ses paroles d'exhortation. Mon âme se réjouit d'avoir écouté ces paroles. Seigneur, prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, Seigneur, ces paroles gravent-les dans mon cœur. Grave-les sur mon âme. Grave-les dans mon esprit. Je n'oublie aucun détail. Seigneur, grâce ces paroles dans mon âme. Que je marche selon ta volonté. Seigneur, je veux marcher selon ta volonté. Je veux faire ta volonté. Grave dans ma volonté dans mon cœur. Seigneur, je veux sentir ton zèle en moi. Je veux être conduit par ton esprit saint.
Je veux une alliance avec toi. Seigneur, renouvelle.
Yeah.
Tout
Le feu de Dieu consume.
Jesus.
On gagne beaucoup de sacrifices à leur maître Satan. Seigneur, je refuse d'être objet d'un sacrifice. Je refuse d'être victime d'un sacrifice. Seigneur Jésus, tu as déjà été sacrifié à la croix pour moi. Pour que moi je vive, alors je ne mourrai point. Je refuse la mort. Tout projet de mort contre ma vie, contre mes enfants, contre mon mari, je déchire. Je révoque. J'annule. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Papa, je veux vivre et faire ta volonté. Je veux vivre et expérimenter ta gloire jusqu'à ce que tu ne viennes nous chercher. Merci, Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamez Jésus. Jésus, tu attends Jésus, hey, tu attends Jésus pour ta délivrance, tu attends Jésus de ce qui t'est épargné, oui, de ce que les sorciers voulaient pour toi, voulaient pour ton âme, tu attends Jésus, acclamez, Seigneur Jésus, acclamez, tu attends Jésus-Christ.
C'est le feu du Saint-Esprit. Et comme au jour de Pentecôte, oh, Saint-Esprit brûle en moi. Fire, fire, fire. Hey, gloire à Jésus. Est-ce que le feu brûle en toi? Est-ce que le feu du Saint-Esprit se brûle en toi? Oh, gloire à ton nom. Oh, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, oh, gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Oh, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, oh, gloire à Jésus, auteur de notre joie. Gloire à Jésus, toi qui nous as sauvés. Oh, Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous magnifions ton nom, nous célébrons ton nom pour ton amour, pour ton infini amour manifesté vers tout ce peuple, manifesté, oui, vers nous, nous qui étions errants, nous qui étions perdus, nous qui avions perdu espoir. Seigneur Jésus, voilà l'amour manifesté envers nous, voilà ton amour manifesté, et non pas nous sommes, oui, dans les religieux, mais nous sommes dans la lumière. Dans la vérité, dans la sainte doctrine, dans ta parole. Seigneur Jésus, quel amour manifesté. Oh, quel amour manifesté. Quel amour manifesté. Seigneur, qui sommes-nous pour mériter cela? Pour mériter, qui sommes-nous pour être des élus? Oui, dans la sainte doctrine, des élus, dans le réveil, pour faire part. Oui, dans le réveil. Ah, Seigneur Jésus, quel amour. Quel amour. Quel amour, quel amour, quel amour, quel amour. Seigneur, oui, nous espérons tous en toi. Oui, Seigneur, comme tu l'as dit, que nous ayons tous le regard sur toi. Seigneur Jésus, te bénissons, nous te bénissons. Toutes choses que tu as fait, pour ce que tu as accordé, oui, l'opportunité, tu as mis sur le cœur de tes serviteurs. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, papa. Ton peuple est reconnaissant. Est si merveilleux. Oh, ton amour est si grand. Est si merveilleux. Oh, quel Dieu. Quel Dieu. Jésus. Oh, Jésus. L'agneau de Dieu. Fils de Dieu. Dieu manifesté en chair. Oui, Dieu l'éternité de l'éternité. Là, à la colère de sa bonté. Quel amour manifesté envers ton peuple. Au sein de la gloire, au sein de la gloire. Oh, quel amour! Oh, comment il est si haut qu'on ne peut. Quel amour immense! Quel amour immense! Oh, Seigneur Jésus! Il est si bas qu'on ne peut contourner. Oh, quel amour! Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te glorifions. Seigneur, oui, merveilleux Dieu, Dieu tout-puissant, celui qui règne d'éternité en éternité, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, oui, tu as encore débordé la joie que tu as mis dans la cellule. Tu as encore, oui, manifesté encore ton amour envers, oui, tes élus, oui, pour nous montrer, comme a dit la prophétie. Est-ce que le Seigneur a abandonné son peuple? Est-ce que l'Éternel a abandonné ses siens? Mais tu as dit, je me suis réservé 7000 hommes. Oh Seigneur Jésus, il y a un faible reste que tu as réservé à Azovin. Seigneur Jésus, et tu les as visités encore. Seigneur, tu as monté encore les ailes. Tu as monté encore, oui, les amours, les joies. Voilà. Tu as monté encore notre joie. Seigneur Jésus, le faible reste pour toi à Azovin, te dit merci. Le faible reste pour toi à Azovin, te chante un cantique nouveau. Le faible reste pour toi à Azovin, te chante un cantique de louange. Seigneur, reçois toute la gloire. Seigneur, tout cela vient au profond de notre cœur, profond de notre âme. Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants. Seigneur, nous ne sommes pas
parmi ces dix à qui tu as fait du bien. Et ce n'est qu'une seule personne. Nous ne sommes pas parmi eux, Seigneur Jésus. Mais nous sommes parmi, oui, le faible, le seul qui a été reconnaissant et t'a dit merci et qui est venu vers toi. Oh Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants. Ton peuple est reconnaissant. Oui, toute la population, la foule d'Azovette est reconnaissante, oui, de ta visite ce jour. Seigneur Jésus, oh, tu as prédestiné. Tout cela était conçu par toi, mais personne ne le sait. Tu es le maître des temps des circonstances. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute l'honneur, la majesté, l'élévation, la magnificence. Seigneur, à toi l'autorité, à toi le règne d'éternité en éternité. Seigneur, par cette joie, nous avions apporté ce que nous avons dans ta maison. Seigneur, bénis-les. Seigneur, reçois-les. Seigneur, bénis les mains. Oui, Seigneur Jésus, tu nous as fait grâce d'apporter dans ta maison. Seigneur Jésus, oui, bénis-nous pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Comme tu l'as dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu observes cette prescription, c'est-à-dire la parole, ta doctrine, la sainte doctrine, aujourd'hui, que je te prescris aujourd'hui, mise à ta disposition aujourd'hui, que tu nous béniras, oui, d'abondance, Seigneur Jésus, que cette bénédiction, Seigneur Jésus, coule davantage dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, Seigneur, sois glorifié à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu acclames le bon Dieu, le merveilleux Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, t'acclames Jésus. Oh, t'acclames Jésus. T'acclames Jésus. Tu l'acclames fortement pour la délivrance en Christ. T'acclames Jésus-Christ de Nazareth. Fortement, Jésus. Je ne vous sens pas si tu as été délivré. Alléluia. Gloire à Jésus. Je laisse le micro à l'évangéliste. Si il a quelque chose à nous dire, il ajoute. Et aussi, et il nous bénit également. Tu acclames le Seigneur Jésus pour ça. Amen. L'essentiel, tout a été dit. Notez-le, on y va. Ce que je vais vous dire pour clôturer, c'est de persévérer dans la marche. De persévérer dans la marche et de vous abstenir des choses impures. Le monde ne fait pas déjà la fête. Or, en réalité, c'est la fête des sorciers. C'est la fête où les beaucoup meurent, beaucoup sont sacrifiés. C'est en 7 ans, vous allez déjà commencer par prendre tout accident. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres, c'est où le diable leur demande des comptes, de faire des bilans, de venir faire des rapports. Satan, amour, le va voir. Donc, ceux à qui on a donné des quotas, mais tu vois que c'est 100 personnes que lui doit tuer en un an. Mais tu vois, on a signé que le monde a béton 100 et on a oublié. Et peut-être que c'est seulement 20 qu'il a trouvé depuis. Et il reste seulement 2 mois. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va multiplier les accidents. Il va multiplier les maladies. Il va mettre des pièges partout. Et si quelqu'un passe à côté du pied. Non mais pauvre que l'homme au vent. La personne n'a pas Jésus. Non mais le dévoué sourd. S'il n'a pas le son de l'agneau et le sang de Jésus, son sang. Pas les capturer. Kaka yasu. Si un faux chrétien. Mais comment Christ autant. Peut-être qu'il y a des gens plus de son habit. Sans grosser et son habit. Tu es saoulé.
il est 20e, et tu passes par là. Tu es capable. Tu vas te retrouver en enfer. Qui les sauvait? Clé. Tu es menteur. Adultère. Voleur. Farfinon. Tout ça. Achiton. Donc, ce sont ceux-là que les sorciers capturent. Mais toi, Asitono, attendez. Mais pour voilà, mais tu es les enfants de la lumière. Mais tu es les quels ceux dont leur ordre. Mais tu es y onya auto. Ceux dont le nom est écrit. Mais tu es au moins au coto à Dubaï. Au malheur, aucun sorcier. Ah, c'est le coup. Aucun sataniste. Ah, c'est dans moi, t'as la satan. Aucun agent du diable. Tu es amen, toto. D'accord. C'est pour ça que nous devons garder notre alliance avec Jésus. Garder notre relation avec Jésus. Alléluia. Amen. Gardez votre alliance avec Jésus. Il détache de cette alliance. Je voulais dire, regardez, dans la semaine, le 1er novembre, les gens ont fêté Halloween. Les gens ont fêté Halloween. Ils ont tous fait. Il y a une dame qui allait allumer bougie pour sa mère. Il tombe. Et non, au cimetière. Le cimetière. Sur la route. Les mendis. Elle a fait accident, elle est morte. Et au accident, il court, c'est le gars. Qui va allumer bougie pour lui? Mais avec ton bougie, hein. Sa maman à qui il est allé allumer bougie là. Mais non, là, tu dis ton bougie, non, n'a pas pu veiller sur elle. C'est même pour t'aller, quelqu'un ou un temps. Voyez la folie du monde. Mais pourquoi soukou, qui l'entend? La folie du soukou, mais ton. La folie du monde. Soukou. C'est pour ça que la Bible nous dit. Et donc, talo, ne touchez pas à des choses. Mais talo, il nous faut. Ce que la Bible interdit là. Si maou n'en paye. Toi ne va pas là. Non. Même si ta famille se soulève contre toi. Mais comment ton saut est tout. Si tu meurs, tu vas aller seul à l'enfer. Mais si tu regardes la pression de ta famille. Mais pourquoi tu vas céder. Il a tâché le kilo. Tu vas mourir seul. À quoi les gars? C'est les sorciers qui vont te prendre. Et à zéro, ma sorcière. Et c'est l'enfer. Et zéro, les gars. Si le sorcier te tue. Non, à zéro. Tu vas mourir. À coup. Tu vas encore atterrir en enfer. Il y a un pays soumet. Trop. Et demain, il sort. Lui peut se repentir. Et à toi, tu s'y mets. Et donner sa vie à Jésus. Et à son appétit, son nom, Jésus. Et aller au ciel. Il y a une type. Donc, si tu meurs, naïvement. Mais, coup, mania, mania, toi. Tu meurs. Et coup. De façon stupide. Amen. Bon, amen. Tu vas aller en enfer de façon stupide. Abéi, bobo, lia, soumet. Alléluia. Amen. Donc, veille sur ton âme. Et tiens, nous faut dire la sainteté. Qu'on peut vivre dans la sainteté. Là où Jésus règne, c'est la sainteté. Priez sous les concours. C'est très important. Et les évident. Ce que je tiens à partager avec vous. Et nous tiens à ma je prie le Seigneur. Pour amen. Vraiment amen. Sa maison qu'il a embellie. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. Il a tenu la promesse. Amen. Et amen. C'est devenu une réalité. Gloire à Dieu. Bénissez le nom du Seigneur. Bénissez vraiment le nom du Seigneur. Je voudrais dire, vous, dans la chair, vous voyez que vous êtes peu. Mais le ciel voit que vous êtes nombreux. Vous a donné grand espace. Quand vous étiez sous la pluie, vous manifestez de beaucoup
beaucoup de zèle. 1100 ans, papa, une idée. Donc, si il vous amène à l'abri, never he va. Le zèle doit se multiplier. Ah. Le zèle doit augmenter. Et papa, alors, tu vas travailler. Mais les cas, et amener ici. Et il y a Heva. Au moins chaque dimanche. Y a, au moins deux personnes. Amen, amen, fin. Amen. Hein? Amen. Tu dois évangéliser au moins. Deux âmes pour Jésus. Nous vont à mes faits. Au moins chaque semaine. Si tu le fais, ici là, dans l'espace de 2-3 mois, nous voulons remplir le ciel. Nous voulons vider le royaume de l'enfer. Nous allons vider l'enfer et remplir le royaume des cieux. C'est le défi que chaque chrétien doit relever. Alléluia. Amen. Alléluia. Ici c'est un lieu saint. Ici c'est un lieu saint. Pour venir adorer Jésus là. Il ne faut plus prendre Solabi avant de venir. Jésus c'est un Dieu concret. C'est un Dieu saint. Donc, avant de venir ici, la prochaine fois là, il faut plus prendre Solabi. Si tu prends Solabi en prenant cette direction là, au portail des saints, il faut te frapper. On ne se moque pas de Dieu. Nous allons nous lever et prier. Nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Nous te disons merci Jésus, merci Jésus. Nous te disons merci Jésus, merci Jésus. Nous te disons merci Papa, merci Jésus. Nous sommes venus te louer, nous t'avons adoré, nous t'avons magnifié, nous t'avons glorifié, nous t'avons sanctifié, nous t'avons célébré. Papa, nous sommes là. Seigneur, tout ce que nous pouvons faire sur la terre, c'est insignifiant. Papa, c'est insuffisant par rapport à ce que tu nous as fait. Tu es allé à la croix, tu as pris notre place. Tu as dit, oui, oui, prenez-moi et laissez partir cela. Et tu as tendu tes mains à la croix. Tes mains à la croix. Et tu as souffert. Tu as souffert seul au soleil à cause de nos péchés. Seigneur, tu nous as dit, va
mais ne pèche plus. Seigneur, nous ne voulons plus pécher. Nous voulons que tu nous donnes la force de ne plus pécher, papa. Nous ne voulons plus être fragiles devant le péché. Papa, tu as compté tes brebis de la sauver par ton peuple. C'est pour ça que ce matin, tu les as visités. Seigneur Jésus, nous te prions, tous ces mains qui sont ouvertes devant toi. Seigneur, remplis-les de grâce. Remplis-les de grâce et de bénédiction. Remplis-les de grâce et de bénédiction. Remplis-les de grâce et de bénédiction. Tout ce que leurs mains toucheront soit béni. Soit béni en abondance. Seigneur, bénis leurs activités. Bénis leur marché. Bénis leur papa. Seigneur Jésus, soutiens-les. Papa, protège-les. Tout plan d'accident, tout plan de maladie, tout plan de mort subite contre leur vie, contre leurs enfants, contre leur mari, contre leur foyer. Que tout cela soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si la trompette sonne, papa, je veux que tous tes enfants ici montent dans ta gloire. Seigneur, fais cette grâce. Merci Seigneur. Nous, tes serviteurs, qui sommes-nous, papa? Nous ne sommes absolument rien. Nous ne sommes que des instruments que tu as aiguisés pour réveiller tes brebis qui dorment. Alors aiguise-nous encore. Le feu que nous sommes venus allumer ici, papa, enflamme-nous encore. Amen. Pour que Seigneur Jésus, que nous marchions, papa, dans cette flamme, que notre lampe ne s'éteigne plus jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Tu vas venir, tu vas saluer ton frère pour lui dire bon cuit à toi et bon, un cuit en spécial, un cuit rempli d'amour, rempli de joie, un cuit oui, rempli oui, du Saint-Esprit, que plein de visitations. Amen. Amen. Inch'Allah à ton frère. Amen. 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 Sœur, gloire à Jésus. Jésus est Seigneur. Amen. Okay. Amen.